Mais bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé là-dessous? Oh, eh bien, c'était bien plus bizarre encore. Pendant que j'étais sous l'eau, j'ai pu respirer. Et un dauphin est venu et m'a parlé. En fait, on a eu une véritable conversation. Waouh! Tu parles à un dauphin, tu respires sous l'eau, tes cheveux deviennent brusquement roses. Il se passe des choses profondes et intenses dans cette partie de l'océan. Eh oui, ce genre de choses arrive souvent après une grosse chute. Je vais bien. Tout ce que je veux, c'est rentrer à la maison. À tout à l'heure, d'accord? D'accord. Mais si tu as encore des visions, demande à Break de t'emmener chez le docteur. Ou au zoo. Au zoo? J'adore les zoos. C'est ouvert. Hey, tu t'es pris la tasse? Tu vas bien? Grand-père, du temps que tu surfais à Mavericks, est-ce que quelque chose de, je sais pas, disons de vraiment bizarre t'est déjà arrivé? Eh ben, ça dépend. Tu veux dire bizarre dans le genre waouh? Ou plutôt dans le genre waouh? Ou alors dans le style waouh? Bizarre. Dans ce genre-là. Waouh! Ça alors, tu t'éteins les cheveux? Non, pas du tout. Ça m'est arrivé au beau milieu d'une vague. Et ensuite, j'étais sous l'eau et j'ai pu respirer. C'est dingue. Et puis, un dauphin est venu me parler. Waouh! Qu'est-ce qui m'arrive? Tu penses que je deviens folle? Non, non, tu n'es pas folle du tout. C'est juste que tu ne savais pas. Je ne savais pas quoi? Je t'ai dit dans quelles circonstances on t'a confié à moi. Oui, c'est parce que mes parents sont morts quand j'étais bébé. Eh bien, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Tu vois, ton père, il a toujours adoré raconter des histoires incroyables. Alors quand il m'a expliqué qu'il était tombé amoureux et qu'il avait épousé une sirène, j'ai cru que c'était encore une de ses inventions. Mais un an environ après l'accident, j'étais sur la plage en train de faire des exercices d'équilibre et... Break. Oui, c'est moi. Je suis Calista. J'imagine que Reed vous a parlé de moi. Tout était vrai. Tout ce que Reed m'avait dit. Et ce qu'il ne savait pas, c'est que Calista attendait un enfant. Et c'était toi. Tu étais là, toute mignonne. La plus jolie petite crevette de toute la côte. Elle s'appelle Merlia. Elle n'a pas de nageoire. Non, c'est une vraie petite humaine. C'est pour ça qu'elle court de grands dangers à Oceana. Je n'ai que vous. Voulez-vous l'élever? Elle sera plus à sa place ici et plus en sécurité. J'ai dit oui, bien sûr. Et je t'ai adoré dès le premier instant. Ta mère aussi t'aimait. Ça lui brisait le cœur de te quitter. Mais avant de s'en aller, elle t'a donné ton collier de coquillage. En disant qu'il te protégerait toujours. J'imagine que j'aurais dû t'en parler plus tôt, mais... j'ai toujours eu peur que ce ne soit un fardeau trop lourd à porter. Est-ce que ça va? Très bien, oui. Grand-père, j'adore tes blagues, mais celle-ci est vraiment trop énorme. Non, Lia. Tu veux vraiment me faire croire que ma mère était une sirène? Et mon père, j'imagine qu'il était, quoi, le monstre du Loch Ness? C'est pourtant la vérité, Lia, je te le jure. Non, Lia. Il faut que j'y aille. Toi, Yadley, je crois que j'ai besoin de vous pour revenir à la réalité. Voilà, c'est l'histoire qu'il m'a racontée. Et maintenant, je suis sûre que je deviens folle, parce qu'il n'y a plus aucun doute, la folie chez moi, c'est de famille. Arrête, tu veux? Ce n'est pas la folie qui t'atteint les cheveux, mais le fait d'être à moitié sirène. Ça n'existe pas, les sirènes. Ah ah!
Regarde, ce site web explique que dans la mythologie, les sirènes sont majeures à l'âge de 16 ans et qu'elles subissent souvent des changements physiques comme des cheveux de couleur ou de longueur différentes. Ah, c'est la preuve, ça. Oui, c'est la preuve qu'on peut raconter n'importe quoi sur Internet. Non, ce n'est pas n'importe quoi, c'est la réalité des sirènes. L'IA le prouve. Je ne prouve rien du tout. Je ne suis pas une sirène. Adley, je voulais vous voir pour oublier toutes ces folies, pas pour m'y enfoncer. J'ai besoin d'aide. J'ai cru que je pouvais respirer sous l'eau et j'ai cru qu'un dauphin était en train de me parler. Il y a une raison à cela. C'était toi et c'était moi. Quoi? Mais c'est une jolie dauphine toute brillante. Je te remercie. Permettez que je me présente. Zuma. Je crois que j'aurais dû commencer par là, pardon. Oh, ne t'inquiète pas pour ça, ce n'est rien. On est heureuse de te rencontrer. Oh, et moi aussi. Non, attendez, c'est impossible. C'est réel. Zuma est le guide spirituel sirène de l'IA. C'est exact? Je suis juste son amie. J'étais très proche de la mère de Merlia. Tu connaissais ma mère? Tout le monde connaissait ta mère. Elle était la reine d'Océana. Avant que sa sœur Eris ne la détrône. Depuis ce jour, Eris est une reine égoïste qui met Océana en grand danger. Donc, si je comprends bien, l'IA n'est pas juste une simple sirène, c'est une sirène royale, c'est ça? Oh, ne me dis pas que toi aussi tu commences à y croire. Nous parlons avec un dauphin rose qui brille, une princesse sirène. Oh, c'est vraiment merveilleux. Stop! Dis-moi, si tout ça s'est passé il y a des années, pourquoi me le raconter maintenant? Parce qu'à présent tu es majeure. Ta partie sirène est enfin apparue. Tu vas pouvoir revenir à Océana et vaincre Eris, comme les destinées l'avaient prévu. Oh, c'est tellement émouvant. Tellement cinglé, oui. Mon avenir est d'être la meilleure surfeuse de Malibu. Cette histoire de sirène mutante va à l'encontre de mon vrai destin. Et en ce qui concerne Océana, en admettant que ça existe... Oh, ça existe! Pourquoi devrais-je me soucier de ce monde et de ses problèmes? En fait, je me fiche pas mal de tout ça. Je me fiche de ma soi-disant maman sirène. Et de son soi-disant collier protecteur. De la mer. Seuls les membres de la famille royale peuvent la fabriquer. C'est un de leurs privilèges.
trouver une nageoire. Quoi? Une nageoire. Eris ne doit surtout pas savoir qu'il y a une humaine en ville. Ne me quitte pas des yeux. Et fais attention à bien cacher tes jambes. À la prochaine fois, chers sujets.
dégagez si je pars chez vous. Tu as dit que mon destin était de vaincre Iris. Mais comment veux-tu que je la combatte? Tu as vu cette sirénette? Ses boucles d'oreilles étaient jusqu'à ses nageoires. Elle était ridicule, la pauvre. La coiffe d'Iris était un peu voyante, tu ne trouves pas? Non. Toi alors, Kayla, Lily, je voudrais vous présenter mon ami. Oh, viens vite voir notre nouveau jouet. Mais je veux. Un lecteur MERP3, pré-programmé avec un millier de chansons. Écoute ça, Azuma. Allez, on danse. Maintenant, tu es prête à rencontrer les destinées.
chère destinée. Dites-moi que je régnerai à jamais sur Oceana. Ah, ils sont tout secs et tout fourchus. On ne dirait pas que je les ai coupés hier. Et cette couleur, oh là là, une manucure, Alex. Je crois que tu en as bien besoin. La Merilia est faible. Si rien ne change, tu empoisonneras Oceana. Oui, oui, je sais. Je vous ai dit que j'y réfléchissais. Il te reste peu de temps. La fille de Kalissa est majeure. Quoi? La fille de Kalissa veut te détrôner. Je sais qu'elle n'a pas de fille. Oh, si, elle en a une. Une fille qui peut te détruire, Eri. Eh bien, je vois. Dans ce cas, je la détruirai avant. Voilà tout. Où puis-je la trouver? Parle, dépêche-toi. Viendra. Est-ce qu'il nous reste des pastilles et le menthe? Écoutez-moi. Ça suffit. J'exige une réponse. Eris, toutes ces prédictions nous donnent la migraine, tu le sais. Et si j'ajoutais quelques jolis reflets roux dans tes cheveux, ce serait beaucoup mieux, non? Vraiment? Oui, votre Altesse? La porte. Elle est là devant vous, votre Altesse. Ouvre la porte. Oui. J'adore venir ici, les destinées ont tous les meilleurs magazines. Je détruirai la fille de Kalissa. Oh, Eris! Il ne me reste plus qu'à la trouver. Eris! Qu'est-ce que vous faites ici? En fait, nous te cherchions. Nous avons actuellement en magasin des articles Fantasirène que nous voulons montrer en exclusivité à Sa Majesté. Viens vite, tu vas voir, c'est sirénastique. C'est même, comment dire, poissonnifiant, sirénicieux. Allez, dépêche-toi, vite. Attendez. Vous allez être les premières à entendre la nouvelle loi du royaume. Oh, sonnerie pour la nouvelle loi du royaume. Ça suffit. Je déclare par la présente que toute étrangère, suspecte ou non, aperçue à Oceana, devra être arrêtée immédiatement. Quiconque violera cette loi sera condamné à passer le reste de sa vie dans mon donjon. Oui, justement, je crois que j'ai vu une étrangère chez Sephora après le festival d'Eris. Vraiment? Et de quoi avait-elle l'air? Elle avait l'air... Xili, tu te souviens à quoi ressemblait cette étrangère? Oui, elle avait l'air... Elle était... étrange. Et elle a filé à grands coups de nageoire. Nous pouvons te montrer dans quelle direction. Oui, oui, faites-le. Immédiatement. Par là. Par ici. Oh, montrez-moi le chemin. Oui, en fait, tu vois, elle avait l'air un peu perdue. C'est sans doute pour ça qu'elle est allée par ici. Allons-y. Bonjour les destinées. Hé, Zuma. Ce sont elles les destinées? J'adore ce rose. Viens par ici. Oh, je crois que nous avons distrait Eris pour un petit temps. Oui, mais ça ne suffira pas. Elle va vouloir à tout prix trouver la fille de Kalissa. La fille de Kalissa, Merlia. Tu es celle qui peut détrôner Eris. Mais les trois choses dont tu as besoin sont dispersées au loin. Sans elle, hélas, tu ne peux qu'échouer. Le peigne céleste, le poisson rêve, et le propre collier protecteur d'Eris. Si je trouve ces choses et que je détrône Eris, serais-je à nouveau normal? Tu trouveras ce que tu cherches. Un instant. Comment savoir si tout cela est vrai? Impossible! Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Mais nous avons de fantastiques après-shampoings pour écailles. Deux pour le bridin. C'est vrai? Oh, c'est très intéressant. Une prochaine fois. Merci. Au revoir! Lia, dis à Fallon qu'elle va être transférée dans l'équipe de surf de Varsity avant la prochaine rencontre. D'accord, je lui dirai. Je ne sais même pas ce que j'ai voulu dire. On joue aux devinettes? Oui! Alors, quelle est l'histoire de ce fameux peigne céleste? Le peigne céleste était autrefois porté par les reines d'Oceana. Il a été perdu il y a des siècles et on dit qu'il ne pourra être retrouvé et porté que par la véritable héritière d'Oceana. Le peuple des sirènes l'a cherché partout, mais la légende dit qu'il est caché là où les sirènes peuvent voir, mais pas toucher.
Ça ne nous donne pas beaucoup d'indications, pas vrai? Non, mais je sais comment en trouver d'autres. Oui, j'ai du réseau. J'ai failli battre mon record. Lia? Mets-la sur l'écran. Est-ce que ça va? Je vais bien. Je me trouve à Océana. Est-ce qu'elles sont humaines aussi, tes amies? Et est-ce qu'elles ont aussi des orteils? Zinc, à chaque pied. Tu peux vérifier. Ce sont des sirènes? Vraiment? Oui. Fallon et Adley, voici Kyla et Philly. Salut. Dis donc, tu es superbe. Écoutez, j'ai besoin de vous. Pouvez-vous chercher maintenant sur le net le peigne céleste? Une recherche? Oui. Cherchez, je sais faire. Il n'y a rien. C'est bizarre. Tu vois, il n'existe pas. Nous n'en savons rien. Que disait la légende, Zuma? Il est là où les sirènes peuvent voir, mais pas toucher. Voyons où cela peut-il être. On ne peut rien toucher sur la Terre. Exact, mais on ne peut rien voir non plus. Alors, il devrait se trouver obligatoirement sous l'eau. Mais là où vous, les sirènes, n'avez pas accès. Fallon, y a-t-il des grottes sous-marines le long de la côte? Des grottes qui pourraient contenir de grandes poches d'air? Oui. Par exemple, les grottes de Yafos, à environ 60 km de la plage de Malibu, au sud-ouest. Je sais où ça se trouve. Oh, au fait, Fallon, grande nouvelle. Ton entraîneur va te transférer dans l'équipe de Varsity avant la prochaine compétition. C'est l'entraîneur qui te l'a dit? Non, je le sais, c'est tout. Mais comment l'as-tu su? Je te raconterai. Bye. Nous partons, la chasse commence. Tu es sûr, Remo? Aucune étrangère n'a été vue dans les environs de Sifora? Non, aucune, Votre Majesté. Bien. Dans ce cas, nous allons devoir chercher des réponses ailleurs. Eris. Bonjour, Sœurette. J'ai parlé à nos chères destinées aujourd'hui, charmantes filles, et j'ai de bonnes nouvelles. Devine quoi? J'ai une nièce. Très curieux. Et quel mystérieux frère est le repère, dis-moi? Oh, bien essayé, Sœurette, mais le bébé est le tien. Oh, bien sûr, elle n'est plus un bébé à présent. Tu as trouvé un moyen de la cacher loin de moi. Il y a déjà plus de 16 ans de cela. Mais elle est majeure à présent et elle est ici, à Océana. Dis-moi, où puis-je la trouver? Et comment le saurais-je, quand bien même j'aurais une fille? Tu m'as enfermée ici depuis 15 ans déjà. Comment pourrais-je savoir quoi que ce soit d'elle? Oh, je pense que tu sais certaines choses, petite sœur. Eh bien, par exemple, le nom de son très heureux père. À moins que... Oh non, c'est de la folie, non, tu n'aurais pas fait ça, ou bien si? Et si le père n'était pas une sirène? Mais oui, si c'était cet humain dont tu t'étais entiché autrefois. Désolée, je ne sais absolument pas de quoi tu parles. Alors c'est une demi-humaine? Tu ferais mieux de m'aider à la retrouver. Cela m'inciterait peut-être à l'indulgence, qui sait? C'est ton choix, chérie, mais je la trouverai. Et jusqu'à ce que j'y arrive, si tu persistes à te taire, eh bien moi, à chaque heure qui passe, je me ferai un plaisir d'emprisonner 10 innocentes sirènes. Tu n'as rien à dire? Eh bien, c'est ton choix. Oh, et la Mérilia que tu fabriques est épouvantable. Tu empoisonnes tout Océana. Non, Iris, c'est toi. Ma Mérilia reflète mes émotions. Elle ne s'améliorera que quand tu m'auras enfin libérée. Jamais! Regarde le corail. Tout Océana subira bientôt le même sort si on n'arrête pas Iris. Je ne crois pas que le corail soit notre seul problème. Regardez, voilà les grottes de Yafos. Oh, des méduses. Oh. Elles sont énormes. En général, c'est amical une méduse géante? Non, c'est plutôt le contraire. Leurs piqûres sont mortelles et elles protègent très agressivement leur territoire. Mais alors, comment trouver le peigne? Seul toi le pourras. Truff t'aidera à ressortir. Si les méduses ne poursuivent toutes les trois, Merlia, elle, pourra entrer. Tu as raison. Alors, allons-y. Salut, les méduses! Dites-nous, est-ce qu'on peut entrer?
où les sirènes peuvent voir, mais pas toucher. Jamais capturé, paraît-il. Mais si tu impressionnes l'un d'entre eux et gagnes sa confiance, oh, il réalisera ton plus cher désir. Il suffit de l'exprimer. Pas exactement. S'il se met à ton service, tu peux lui demander de l'aide et il t'offrira quelque chose. Mais on ne peut l'appeler qu'une fois. Tu as donc intérêt à ne le solliciter que quand tu as vraiment besoin que ton rêve devienne réalité. Si tu veux connaître à l'avance la mode de l'automne, par exemple, oh, ce serait vraiment mon rêve le plus cher. Dans la légende, où trouve-t-on ces fameux poissons rêves? Bonne question.
D'après la légende, ils vivent en dessous de l'ours et du cheval. Mais je ne sais pas ce que ça signifie. Peut-être que Fallon et Adelaide trouveront. Lia, tu sais, tu avais raison. On m'a bel et bien transféré dans l'équipe de Varsity. Donne-moi ton avis. Qu'est-ce que je dois porter pour mon premier jour dans l'équipe? Oh, celui couleur saumon, non? Oh non, celui couleur corail. Oh zut, plus de batterie. Il faut faire vite. J'ai besoin de tous les renseignements que vous trouverez sur les poissons rêves qui vivent sous l'ours et le cheval. Un poisson qui vit sous un ours et un cheval? C'est dingue. Bon, moi que de demander à des sirènes des conseils de mode. Non, rien du tout. Essaye ça. Tu te rappelles de notre voyage scolaire pour Sedona et de tous ces rochers assemblés qui ressemblaient à des chiens, à des oiseaux ou à des théières? Oui, il y en avait un qui ressemblait à un lapin dansant la valse avec un kangourou. Ok, on cherche. Ça y est, j'y suis. Tu crois que l'ours et le cheval sont des rochers? Ah, je les ai. Dressés au milieu du courant andénato de l'océan Pacifique, l'ours et le cheval majestueusement se font face. Oui, je connais bien le courant andénato. Suivez-moi! On doit y aller, les filles. À plus! Non, vous n'avez pas le droit de faire ça! Oh, tu crois ça? Faites-le tomber! Pitié, je n'ai rien fait de mal! Ah, ah non! Thank you.
Parfait. Manta. Hey. Du calme, mon ami. Et le respect de la presse. Sujet d'Océana. Qui adorez-vous? Est-ce moi? Je n'entends rien. J'ai dit, est-ce que vous m'adorez? Eh bien, je ne vous crois pas. Si vous m'adoriez vraiment, l'un d'entre vous me livrerait des informations sur la fille de Kalissa, sur la progéniture à demi-humaine de cette horrible reine qui nous a tous abandonnés. À demi-humaine? Elle doit être monstrueuse. Je veux dire, on ne sait pas, peut-être qu'elle est jolie. Alors, que celui qui peut me mener à elle nage vers moi? Or, dans ce cas, Manta, trouvez-moi une réponse tout de suite! Ah, non! Attendez! As-tu des informations à me donner sur la fille de Kalissa? Non, mais j'ai apporté quelque chose pour vous. Un petit cadeau qui vous prouvera mon amour et mon respect. Je crois vraiment que vous allez beaucoup l'apprécier. Je l'espère. Car sinon, je crois que tu sais ce qui t'attend. On y va! Montrer à Eris notre toute nouvelle danse et patente, flamboyante, reine incontestée. Rendons tous hommage à sa majesté. Allez, penche-toi de chaque côté, en arrière, en avant, les mains levées. Viens vite danser pour notre star, sur un écran gâté, on vit le tas d'un soir. C'est la reine des bagues. Regardez la rouge, c'est la plus petite, la reine des bagues. Thank you.
jamais parler d'elle. S'il te plaît. D'accord, je vais réaliser ton plus cher désir. Je vais te renvoyer chez toi à Malibu. Et ta partie sirène cessera d'exister. Tu redeviendras une jeune fille normale. Comme si rien de tout ça n'était jamais arrivé. Toi, tu peux faire ça? Si c'est ton plus cher désir, si c'est ça que tu veux, je le peux. Mais tous les problèmes d'Océana ne seront jamais résolus, alors je n'en ferai simplement plus partie. Mais ton désir deviendra réalité. Oui, et c'est le peuple d'Océana qui paiera. Dois-je réaliser ton désir? Non. Je suis une jeune fille normale, mais je suis aussi Merlia, la demi-sirène, princesse d'Océana, et c'est mon devoir de princesse de protéger mes sujets. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne le sais pas? Quoi, tu y es pour rien? Pour rien du tout, c'est de toi que ça vient. De moi? Poisson rêve? Poisson rêve? Thank you.
n'est pas votre reine. C'est Kalissa qui l'est. Il faut la retrouver, tout de suite. Moi, je sais où elle se trouve. Maman? Merlia. Merlia. Oh, que tu es jolie. Et tu as une nageoire, c'est incroyable, non? J'adore Océana. Et je vous aime tous beaucoup. Et c'est tellement fabuleux d'être avec toi, mais je serais si triste de ne plus jamais revoir Malibu et aussi Fallon et Adley et grand-père. Et j'aime être une humaine. Merlia, tu seras toujours à demi-humaine et tu seras également à demi-sirène. Tu es les deux, à part égale. Oui, je sais, mais j'ai déjà eu tant de mal à cacher mes cheveux roses. Comment vais-je pouvoir cacher cette nageoire? Si je rentre chez moi, je serai un monstre. Je ferai peur à tout le monde. Tu dois être toi-même, et cela avant tout.
verrons, Zuma. Je veux devenir humaine. You